Claude Biget est quelqu'un qui est un esprit tout à fait indépendant. Quelqu'un qui ne se laisse pas embrigader ni dans une religion, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ni dans une philosophie, ni dans une structure politique ou sociale, mais c'est quelqu'un qui puise son inspiration et sa ligne de vie en lui-même. Et il n'a besoin de personne pour avoir une ligne de conduite. Alors, tout de même, pour le rendre plus proche, il y a quelques anecdotes tout à fait symboliques qui me paraissent significatives de son être-là, de sa personnalité. Un jour, à la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque François Mitterrand, fraîchement déménagée depuis le site de la rue Royale, Claude Biget a été récipiendaire du Grand Croix de la Légion d'honneur de Repsosso, et il nous avait invités à Paris pour la réception chez Jean-Pierre Rémy, alias Pierre Angremy, le directeur de la Bibliothèque nationale et ex-mentor de la Villa Médicis à Rome. Et au moment de la réception, les gens de la haute bourgeoisie parisienne avaient s'étaient fendus de discours lénifiants et de paroles pontifiante et convenue et banale. Et tout d'un coup, lorsque Claude Biget, lui, s'est mis à prendre la parole, puisqu'on lui avait demandé, l'esprit s'est levé tout d'un coup, tout le monde a été soulevé et émerveillé par la distance qu'il y avait entre ces paroles convenues de ces personnalités, et la simplicité, et en même temps la profonde pensée philosophique qui émettait de ce discours tout à fait improvisé. Et ça a été souvent comme ça. Chaque fois que Biget prenait la parole, à un moment donné, on se sentait plus élevé, plus inspiré, on se sentait, comment dire, plus intelligent, en quelque sorte. Et tout d'un coup, après tous ces discours, évidemment, il y a eu un buffet. Et le buffet se résumait en quelques cacahuètes et 2-3 sticks et quelques canettes de bière. Alors tout d'un coup, la maîtresse de cérémonie de cette luxueuse nouvelle bibliothèque de France est accourue pour s'excuser en disant que oui, ils se sont trompés de buffet, parce que il y avait en même temps la cérémonie de la retraite d'un des concierges de cette bibliothèque, et les petits fours et le champagne étaient destinés à Claude Biget, s'est retrouvé chez ce concierge, et nous autres on a eu les sticks et les pretzels. Alors Claude Biget a dit « Ah, this is just... ich kunzen. » Vraiment, ça me fait plaisir que ce monsieur ait pu avoir une retraite digne de son nom. Et cette inversion, cette empathie envers les gens simples, ça c'est Claude Biget. Claude Biget, c'est aussi en même temps la profonde mélancolie et la profonde anxiété par rapport à la vie, et d'un autre côté cet élan vital tellement au-dessus des contingences matérielles, comme souvent
dans les titres de ses ouvrages, on peut le dire, il y a, par exemple, il y a Révolte et louange, il y a l'extase et l'errance, il y a le parfum de la cendre, il y a la maison des vivants. La maison des vivants, c'est le cimetière pour les juifs. Et lui, il a fait un livre qui s'appelle La maison des vivants. Il y a d'autres titres comme Danser vers l'abîme, ou Le soleil sous la mer, ou Les portes éclairées de la nuit. Tout ça, ce sont des titres qui montrent qu'il a toujours cette préoccupation de Slave ish Monschmul Epschins, entrecoupé de drames et de choses terribles. Il a vécu ça, lui, dans sa chair, hein, puisqu'il a été émigré aux États-Unis. Il a survécu alors que 44 personnes de sa famille sont parties en fumée dans les fours crématoires. Donc, il a son nom, Vigée, vient de ce qu'il, malgré tout, Trotzdem, il a pu avoir des moments de grâce extraordinaires, et mais qu'il a déjà commencé à avoir tout petit. Et en même temps, il a un humour formidable quand il on s'est promené un jour dans la petite France. Et il m'a raconté que quand j'étais jeune, je passais là, et puis j'ai entendu les fenêtres ouvertes en été. Il y avait une prostituée qui disait à son client: alors ça, c'est des moments qu'on peut pas en principe mettre au crédit de Claude Biget, qui est un poète. Et ben, il y a des choses aussi de la vie triviale, etc., qui sont d'ailleurs aussi parfois dans les Schwarzsängers, où c'est des choses absolument triviales, hein. D'un autre côté, on se promenait dans le Ried, et devant une flaque d'eau, un jour il m'a dit: tu vois ce qu'il y a sous la flaque d'eau, je sais parfaitement ce qu'il y a en dessous, symboliquement. Et dans son imagination de poète, il savait très bien ce qu'il y a en dessous des flaques d'eau qui reflètent le ciel. Un jour, il m'a raconté qu'il était en bas de l'Erlenberg, pas de l'Erlenberg, du Großeberg, près du lavoir là-bas, et il voyait deux chiens en train de forniquer en rentrant du collège. Alors il a demandé à son copain: qu'est-ce qu'ils font là? Il était gamin encore. Qu'est-ce qu'ils font là, les chiens? Alors son copain lui dit: eh ben, petit pogue. Et alors il est rentré à la maison, il a demandé à sa maman: maman, qu'est-ce que ça veut dire, pogue? Et bien sûr, il a attrapé une claque en pleine figure. C'était pas des mots qu'il fallait demander à l'époque. Mais ce sont des mots qui aussi font partie de l'univers de Claude Biget. J'ai passé quelques jours chez lui, et on dînait le soir. Dans son entrée, il a une table, dans l'entrée de son appartement, il a une table sur laquelle on déjeunait. Donc c'est pas une pièce d'apparat pour lui. Et pour déjeuner, il a une boîte en bois, une espèce de caissette comme ça, avec tous les couverts et les cuillères, les fourchettes et tout ce qu'il faut pour manger. Et puis, Nemsch, Indirect Schirkisch, Nemsch Vostebrüsch pour manger. Claude Biget n'a pas de goût de luxe. Ce sont ses livres qui sont ses beaux soucis, comme dit Mallarmé. Alors, Claude Biget est au bord de sa 100e année. Non, puisqu'il est né le 3 janvier 1921. Et je l'ai au téléphone régulièrement, puisque c'est le seul moyen encore qu'il a pour communiquer. Il est allongé sur son fauteuil, il ne voit plus, quasiment plus, et il n'entend plus bien. Juste au téléphone, quand il a l'écouteur très proche de l'oreille, et il me raconte souvent que
il voudrait encore vivre un petit peu, mais que bientôt il sera à Bichulaire, au cimetière de Bichulaire, où son endroit est déjà préparé, à côté de son épouse et de son fils qui demeure déjà. Alors, j'espère que les gens auront à cœur de lire ces ouvrages qui sont quand même d'une hauteur et d'une profondeur, une hauteur et une profondeur en même temps, extraordinaire. Enfin, si les gens savaient, si j'arrivais à communiquer le bien et que m'a fait la lecture des œuvres de Claude Biget, il se précipiterait dans cette lecture et dans cette connaissance de l'œuvre. Voilà.